Et au passage, je le dis, juste je le rappelle, les comportements de bêta repulsent les femmes. Donc ça, faut y penser, ça. Et en sachant que le comportement de bêta est promotionné et subventionné par l'État. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais. Non, ce n'est pas un sponsoring. Ça n'a rien à voir. C'est juste que en fait, je fais une vidéo là avant d'aller à la salle. Et donc comme ça, je suis déjà prêt. Pas folle la game. Donc voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas sponsorisé. Par contre, les gars, si vous passez par là et que vous voulez que je sponsorise, vous voulez passer sur l'une de mes vidéos, il n'y a pas de problème. Ouais, s'il y a un chèque à prendre, nous, on est toujours là. Surtout que c'est une marque que je porte déjà, donc il n'y a aucun souci, quoi. Bref, ça n'a rien à voir. Donc, je m'appelle Jonathan, si jamais tu connais pas cette chaîne, la première fois que tu arrives, bienvenue, abonne-toi, hein, de toute façon, tu vas aimer. Donc, ça sert à rien de chercher. Tu peux t'abonner, tu déjà mettre le j'aime en avance. Ok, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. C'est ça qu'on veut, on veut juste être libre. Voilà. Ok, et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP, pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne. Je vis de mon business en ligne, maintenant j'ai plusieurs sources de revenus. Bon, ben voilà, c'est pas compliqué. Une fois que tu rentres dans le game du business, tu comprends comment le business fonctionne, tu peux en faire un deuxième. Et voilà, d'abord tu fais le premier déjà. Hein, c'est pas 50 business en même temps ou changer de business tous les 6 mois. Tu attends d'avoir du succès dans un business. Et une fois que tu l'as automatisé, qui tourne tout seul, boum, tu peux passer à un deuxième si jamais tu veux. Ok, donc de toute façon, tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. C'est offert, c'est gratuit, arrête de bégayer. Je ne sais pas pourquoi les gens ils bégayent. Je n'ai jamais compris le truc, c'est gratuit en fait. Les gens ils sont là, imagine, c'est juste une étape pour avoir de l'information gratuitement. Déjà tu galères, bah, alors imagine que quand tu vas devoir investir en toi, tu vas faire comment? Tu vas prendre 4 mois, 6 mois avant de te lancer. Arrête, pour dire après, quand tu auras du succès et passer sur ma chaîne et faire une interview, me dire, ah si j'avais su, je me serais lancé 2 ans plus tôt. Ça c'est déjà arrivé dans les interviews. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Et passons directement au sujet de la vidéo. 5 signes qui montrent que tu es un bêta, un simp, hein, comme disent les Américains. De toute façon, les gars, toutes les informations viennent des États-Unis. Hein. Les gars, ils sont toujours en avance. Et puis, j'ai envie de te dire, leur société, elle est tellement féminisée que, mec, c'est incroyable. Je vais te dire, chez nous, nous, on est des bonhommes. Hein. Les bêtas de chez nous, ils sont des bonhommes par rapport aux bêtas de là-bas. Non, là-bas, des fois, je croise des Américains et tout. C'est incroyable, il y a vraiment un problème. C'est là que tu vois comment une société elle peut laver le cerveau des gens, quoi. Là, les gars, c'est une société féminine de malade. C'est pour ça qu'il y a des courants, d'un coup, les gars, ils en ont marre. Ils font, oh, 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 on est des hommes quand même, non, on n'est pas des femmes, non. C'est pour ça qu'il y a des courants, là, ça Red Pill, ça sort et tout, parce que le truc, il arrive à un stade où c'est un truc de malade, quoi. Et en attendant, pendant que la société elle, se féminise, etc., le taux de divorce, il augmente. Hein, ils augmentent de plus en plus. Plus ça se féminise, plus il y a un taux de divorce super élevé. Hein. C'est bizarre ça quand même, les gars. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et tu peux être énervé, je sais que c'était des faits. Peut-être que c'est un hasard, hein. Peut-être. Peut-être que non. Peut-être que non aussi. Voilà. Donc, définition d'un bêta, Sims, bon, pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des puristes qui vont dire, ah non, je fais la même chose. Bon, bref. En tout cas, c'est pas le bon. Ça veut dire que tu ne dois pas être comme ça. Ok. Donc, définition d'un bêta ou d'un Simp. Donc, c'est ma définition. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, à faire n'importe quoi, pour pouvoir espérer mettre la femme dans son lit. Voilà, c'est son objectif. Alors, du coup, il peut faire serpillière. Elle lui dit, fais des roulades, vas-y, fais des roulades, encore, vas-y, vas-y, encore. Voilà, il fait, enfin, voilà. C'est un peu le principe. Et au passage, je le dis, juste je le rappelle, les comportements de bêta repulsent les femmes. Donc ça, faut y penser, ça. Et en sachant que le comportement de bêta est promotionné et subventionné par l'État. Ça veut dire que c'est des croyances, on se dit, mais c'est les gars, c'est comme ça qu'il faut faire, les gars, c'est comme ça qu'il faut faire. Et finalement, les taux de divorce augmentent. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, premier signe qui montre que tu es un bêta, et donc du coup, il faut changer ça rapidement, c'est que tu mets la femme sur un piédestal. Après, tu la mets en premier. Celle qui est en premier sur un piédestal. C'est ce que la société te dit. Hein, hein. Ben, là, il y a la fameuse phrase que tout le monde aime bien dire, hein, traite-la comme une star, elle va te traiter comme un fan. Donc, tu vas la mettre sur un piédestal, tu vas tout faire pour elle. Il y a plein de gars comme ça. Tu vas tout faire pour elle, acheter des fleurs, des trucs, machin, machin. J'ai pas dit qu'il faut pas acheter des fleurs. Mais tu vas tout faire pour elle, pour qu'elle soit heureuse, etc., etc. Au détriment de toi, ok? Donc, tu vas toujours être au-dessus, en dessous, tu vas la mettre au-dessus.
Ok. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, elle va te larguer. Et après, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tout ce que les gens disent qu'il faut faire, tout ce qu'elle-même, elle me disait de faire, que les femmes disent de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie à Tyrance, elle est partie coucher avec un gars qui est complètement l'opposé de moi. Un bad boy, un machin, je sais pas quoi. Parce que la vérité, c'est qu'il faut que toi, tu sois au-dessus. Il faut que ce soit toi le premier et elle vient ensuite. Ça fonctionnera toujours comme ça. Pourquoi? Parce que la nature de la femme, elle est faite pour follow le lead. Okay? Pour follow le lead, je mélange des mots français et anglais. Elle est là pour suivre le leadership, en fait. La nature de la femme, c'est de suivre le leadership de l'homme. Okay? Elles vont te dire autre chose, etc. Elles vont dire, ah non, on veut que ce soit égaux. On est tous égaux et c'est pas quoi. Quand tu écoutes, qu'est-ce qu'elles veulent? Un gars ambitieux, un gars qui a du leadership. Ok? Pourquoi tu veux un gars qui a du leadership? C'est pourquoi? C'est pour pouvoir suivre son leadership. En fait, ça ne fonctionne pas, ok? C'est pour ça que quand tu es un alpha, ben, tu te mets en premier, ok? Parce que tu es focus sur tes objectifs, tu es focus sur ta vision, sur ce que tu vas accomplir dans ta vie. Et ça, ça les excite, ça. Ok? Il y a une vidéo d'ailleurs d'une meuf, je vais faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs, qui a intervenu, une sorte de nouvelle star montante, elle s'appelle Chloé, qui disait qu'elle, quand elle appelle un gars, elle veut pas que le gars lui réponde tout le temps. Donc, force à elle d'ailleurs, parce qu'il y a le courage de partager un peu comment fonctionne la femme, comment elle pense. Parce que normalement, en général, elles n'aiment pas trop le dire. Elles préfèrent dire des réponses politiquement correctes. Elle a osé le dire, je sais pas comment ça se fait, mais bon. En tout cas, elle l'a dit. Elle n'aime pas qu'un homme réponde toujours au téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle dit. Alors, oui, elle veut qu'il ait de l'attention, mais le fait qu'il réponde pas de temps en temps, tu vois, ça lui montre que, genre, il est occupé, il est en train de faire des choses. Donc ça veut dire quoi? Il est occupé, qu'il est en train de faire des choses, et ça l'excite. Tu vois, elle dit ça, ça l'excite quoi, c'est tout. Tu vois, pourquoi? Parce que la femme, elle aime savoir qu'elle est avec un gars qui a une vision, qui fait des choses. Parce que c'est ça que ça veut dire. Si le gars ne lui répond pas tout de suite, c'est parce qu'il est occupé. Et s'il est occupé, c'est parce qu'il fait quoi? Parce qu'il fait des choses. Et s'il fait des choses, c'est parce qu'il est en train d'accomplir des choses dans sa vie, il a une vision. Tu vois, et ça veut dire qu'il ne lui a pas donné la priorité. Ça veut dire qu'il ne répond pas à l'appel parce qu'il est occupé et il doit s'occuper de lui d'abord. Tu vois? Donc c'est comme ça que ça fonctionne, les gars. N'écoutez pas les fausses croyances, les croyances qu'on vous donne, etc., etc. Du coup, je vais même te donner un exemple. Tu vois, j'ai connu un gars, on va l'appeler Gérard, ok? On va l'appeler Gérard. Et Gérard, il faisait tout pour sa femme. Comme on dit, comme les femmes disent de faire, comme la société dit de faire, il faisait tout. Il faisait livrer des fleurs. Il achetait des chocolats. Il s'endettait pour lui acheter des sacs, des chaussures, tout ce que tu imagines qu'un bêta peut faire, ok? Il faisait tout, ok? Il a même fait une soirée. Ok, où il a proposé, ok, il a proposé de venir fiancé, fiançailles, je crois. Je crois que c'était fiançailles qu'il voulait faire ou le mariage. De toute façon, c'est la suite. Hein. Donc, du coup, fiançailles, tout machin, il faisait tout, gars, tout comme les gens, comme la société te dit de faire, comme les femmes te disent de faire, ok. Il faisait tout comme ça, parfait, tout machin, gentil, oui de tout, oui, oh là là, tout machin, ok. Premièrement, elle était pas heureuse, voilà. Je le sais parce qu'elle en parlait à une copine à elle. Elle était peu heureuse, voilà. Ça fait chier, hein, quand même. Il faisait tout. Il était le plus gentil, le plus bolos des bolos. On ne peut pas faire plus bolos que ça, ok? Super gentil, ok? Elle était peu heureuse, ok? Comme je t'avais déjà dit dans l'autre vidéo, le truc de lui faire à manger ou le machin, débrouille-toi, ok? Hein, je ne suis pas ta boniche, je travaille, je suis fatigué, c'est bon. C'est fini le temps des Cro-Magnon, là, hein, tu vas se faire ton repas, tu prends un pizza et tu te débrouilles. Enfin, moi, c'est bon là. Oh, ça va, hein? Ok? Donc, voilà comment ça se passait. Et en plus, elle n'était pas contente, ok? Donc lui, il faisait ça et voilà ce qu'il recevait. Et deuxièmement, à côté, elle avait son amant, ok? Elle avait son amant. Donc du coup, elle se faisait attraper par son amant, voilà, ok? Jusqu'au jour où son amant finalement s'est décidé, parce que son amant aussi était en couple, donc du coup, il s'est séparé. Et donc du coup, il a récupéré. Donc quand il s'est séparé l'amant, donc lui était disponible, boum, il a juste récupéré la meuf du boulot, de Gérard, tout simplement. Et elle, par contre, aujourd'hui, elle est super heureuse. Elle est super heureuse avec le nouveau gars qu'elle a. Tu vois, ils sont même mariés, je crois, maintenant. Tu vois, ils sont même mariés. Donc voilà ce qui s'est passé. Et l'autre, je vais te dire, c'est un gars normal. Ça veut dire, c'est un homme, quoi. C'est déjà plus un homme, tu vois. Ça, c'est pas un bêta. Tu vois, c'est déjà un homme, il a des trucs, des projets, il veut faire des trucs. Même dans son comportement, son mindset, ça n'a rien à voir, tu vois. Et elle est heureuse, voilà. Et pourtant, je peux t'assurer qu'il lui achète aucun sac, ok?
Il achetait pas de sac, il achetait pas de talons, il n'avait pas de truc machin, parce qu'il avait besoin de gérer son argent d'une certaine manière, il avait des projets et il ne pouvait pas se permettre de lui acheter des sacs Louis Vuitton ou des trucs comme ça. Sauf que contrairement au bêta, lui c'est ce qu'il faisait. Et elle est super heureuse. Et elle fait à manger. La première fois que j'étais venu, j'ai pas compris. Elle est arrivée, elle faisait à manger. Oh, qu'est-ce que tu veux manger, mon bébé? Ça va? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Ah ouais, non, mais je te fais ça tout de suite. Hein. Ah, mais tu... ah non, je sais pas faire, mais je regardais sur internet pour savoir comment la recette pour pouvoir faire. Eh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que l'autre, ben, c'était un homme. Voilà. Donc, ce qu'on vous enseigne, les gars, c'est juste de vous, on vous féminise. Donc, si tu t'agis comme une de manière féminine, la femme, elle va être repulsée. Donc, elle, à mon avis, elle restait avec lui parce qu'elle pensait qu'elle pouvait pas avoir mieux, ok? Et du coup, quand elle a pu avoir mieux, bah, elle est juste partie. Ok, les gars? Donc, vous faites pas carotte, les gars, parce que vous perdez. Après, vous comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. On voit. Si jamais tu as besoin d'acheter plein de trucs pour une femme pour qu'elle reste avec toi, ou qu'elle soit soi-disant heureuse, c'est qu'elle t'aime pas, frère. Une femme doit pouvoir rester avec toi, doit pouvoir te promener avec elle comme ça, dans un parc, et vous parler, nanani, ça se passe bien, tout le monde est content, elle est contente, elle kiffe, vous regardez un film, machin. Si tu commences à devoir acheter des Louis Vuitton, des trucs comme ça, etc., non, il y a un problème. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça veut dire que c'est pas dans le même mindset que tu le fais. Et ça, elle va le ressentir. Donc, te fais pas carotte, ok? Ne mets jamais une femme sur un piédestal, c'est toi en premier. Toi en premier, et après elle. Et c'est comme ça qu'elle va te kiffer. Deuxième signe que tu es un bêta, c'est que tu utilises en fait ton argent pour pouvoir impressionner la fille que tu veux, ou pour pouvoir la mettre dans ton lit, ou pour pouvoir qu'elle puisse t'aimer, etc. Okay? Et c'est pour ça, les gars, que souvent je dis, on sait que les femmes elles veulent de l'argent. Okay? Il n'y a pas de problème pour ça. Il faut que tu aies de l'argent, etc. Mais ça ne suffit pas. Tu n'es pas un alpha parce que tu as de l'argent. On a l'exemple, j'ai fait une vidéo de PJ Washington qui s'est fait victimiser par Britney. Là. Il a de l'argent. Il a même pratiquement tous les critères qu'une femme recherche chez un homme. Il est super grand, il joue en NBA, il a des millions à des millions à perte de vue, okay? Mais il n'a pas l'état d'esprit, il n'a pas le mindset, il n'a pas la compréhension de la psychologie de la femme. Il n'a aucune idée, il est complètement là, il nage complètement. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, l'argent, ça suffit pas. Parce que des fois, j'ai des commentaires, ouais, en gros, de toute façon, elle veut que de l'argent. Non, en fait, il faut que tu aies tout, c'est tout. Mais si tu n'as pas le mindset, l'état d'esprit, tu ne sais pas comment une femme fonctionne. Tu vas rien comprendre en fait. Déjà, d'une part, tu ne sauras pas comment la rendre heureuse. Tu vas écouter ce que tout le monde dit. Et deuxièmement, j'ai oublié ce que je vais dire. Donc, le truc, c'est que quand tu as de l'argent, il faut qu'elle le découvre. Ça veut dire que le premier date, tu ne vas pas arriver à commencer à faire des hôtels 5 étoiles. Hein, ça va pour tous mes gens qui font du business, qui commencent déjà à générer du cash. Les gars, ce n'est pas premier date, genre palace quoi. Non. Premier date, un truc vite fait. Ça peut être genre juste un café, je sais pas moi, un smoothie, je sais pas. Mais un truc vite fait. Il faut qu'elle le découvre en fait. Il faut pas que genre t'arrives et que tu affiches. De toute façon, la femme, elle n'aime pas que tu fasses ça. Que tu arrives, que tu affiches et tu dis ouais, bah, tu sais quoi en fait, je fais 1 million par an. Non, ça, c'est pas bon. Il faut qu'elle le découvre. Et en plus, la femme, concrètement, les chiffres, elle calcule pas trop. Elles vont comprendre en termes de lifestyle. Quel lifestyle tu peux m'apporter, tu vois. C'est ça qu'elle recherche. C'est pour ça que ton Instagram, si tu veux gérer d'ego à travers ton Instagram, on veut envoyer des DM par exemple, ben, il faut que ton Instagram reflète un lifestyle. Tu vois, un lifestyle qu'une femme aimerait avoir. Tu peux mettre millionnaire sous ta bio, si derrière les photos elles sont éclatées, elles ne vont pas te calculer. En tout cas, le taux de conversion sera beaucoup moindre. C'est sûr et certain. Parce que déjà, les hommes ont du mal à faire les calculs alors que nous, on est très rationnels. Vous avez du mal à savoir quel lifestyle vous pouvez avoir en faisant 100K à l'année et 1 million. Parce qu'en vérité, ce que tout le monde pense, ouais, la vie du millionnaire avec 100K à l'année, tu peux déjà l'avoir. Tu vois, alors encore pire les femmes. Okay? Donc, il ne faut pas que tu arrives pour essayer de l'impressionner avec ton argent. Il faut qu'elle le découvre. Et même si, imaginons, ça marche, imaginons que tu arrives à convertir quand même en étalant dès le premier rendez-vous toutes les richesses, etc., ben, elle va t'aimer pour les mauvaises raisons. Un peu bête quand même. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et c'est juste les bêtas qui font ça parce qu'ils sont un manque de confiance en eux. Il faut le faire boum 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 boum. L'autre jour, je parlais avec un gars qui était dans l'hôtel là, un Américain. Je te dis, les Américains, c'est à chaque fois que j'échange avec eux, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Le gars, il est en Colombie de ça. Et je sais plus pourquoi. Et on parlait de la Colombie, évidemment que les femmes sont belles et tout. Et je sais plus pourquoi il me dit ça. Mais il me dit, ouais, moi, de toute façon, je ne suis pas dupe. Enfin, genre, je suis conscient. Enfin, c'est ça, je traduis comme ça. Je ne suis pas dupe. La femme,
quand je rencontre une femme que je veux, et il fait genre, tu sais, genre, moi je sais ce que je veux, tu vois. Genre, elle me dit, ouais, moi je sais ce que je veux, quand j'en veux une, je vais la voir, et je lui dis, voilà, voilà ce que je gagne, est-ce que ça te suffit pour te rendre heureuse? Est-ce que ça te suffit comme pour avoir le lifestyle que tu veux? Mais je crois qu'il a dit même heureuse. Et là, je ne savais pas quoi dire en fait. De toute façon, sur Uber, il est arrivé au même moment, donc c'était parfait parce que je savais pas quoi dire. Là, fallait un coaching de 3 mois. Là, fallait un coaching de 3 mois, frère. Donc non, fais surtout pas ça. C'est pas l'argent qui la rend heureuse, c'est toi qui la rend heureuse. C'est juste que c'est un package, tu vois. Si jamais t'es sportif, t'es bien foutu, t'es frais, que tu t'habilles bien, que t'as la psychologie d'un alpha et que t'as de l'argent, ben elle est au max. Elle va kiffer parce qu'elle sera fière, elle va te respecter. Et une femme peut pas t'aimer si elle te respecte pas, tu vois. Mais là, quand il m'a dit ça, à quoi ça sert en fait? Si elle t'aime que pour l'argent, ben l'autre gars qu'elle peut avoir qui a de l'argent, à tout moment, elle peut partir alors. Enfin, ok, donc surtout, lui m'a traumatisé. Je crois qu'il a vraiment dit, il dit à la meuf, est-ce que tu seras heureuse avec ça? Donc le gars, il lui dit carrément ses finances. Ouais, voilà, est-ce que tu seras heureuse avec ça? Alors non, fais pas ça. Troisième signe que tu es un bêta, il faut surtout pas faire ça. Et c'est ok, on a tous fait des trucs avant. L'essentiel, c'est d'évoluer, les gars. On est là, on n'a qu'une vie, mais on évolue tout le temps. Et c'est de genre, t'es un yes man, quoi. Tu dis oui à tout. Tout ce qu'elle dit, tu oui. Oui, 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 oui. Aucune personnalité, rien, aucun leadership, rien. Tu dis juste oui. Donc toi, tu crois que tu dis oui et ça va lui faire plaisir parce que tu dis oui. Mais en fait, c'est pas comprendre la psychologie de la femme en fait. Tu peux pas tout le temps dire, tu peux pas dire oui en fait. Il faut que tu décides non, on va aller là. Non, pas ça, on ira là, machin. Ça veut pas dire que tu dois dire non tout le temps. Mais ça veut dire que tu dis des choses en fonction de. Faut que tu aies une personnalité quoi en fait. Tu vois. Sinon, la femme, elle aime pas en fait. Il faut qu'elle sente. Tu dis, c'est toujours basé sur. Il faut qu'elle ait du respect pour toi en fait. Et si tu dis un oui, 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 elle va aller juste voir ailleurs pour pouvoir se faire attraper par un vrai homme. Ok, donc les gars, les yes man là, non, les gars, ça fonctionne pas. Oui, genre, c'est un truc aux États-Unis que j'ai entendu. Toujours les mêmes. Non, je rigole, mais bon, c'est comme je regarde beaucoup de vidéos aux States aussi, sur le marché américain. Pareil, il y a une meuf qui avait dit, ouais, coupe ta barbe et tout. Oui, comment ça, coupe ta barbe? Oui, non, mais elle aime plus. Mais gars, si t'aimes ta barbe, tu gardes ta barbe, frère. C'est quoi ton problème, tu vois? C'est quoi? C'est une technique. Elle sait que t'es plus frais avec la barbe. C'est pour ça qu'elle dit de la couper. Bon, ça, c'est un exemple, mais après, il y en a plein d'autres. Là, comme ça, j'en ai plus, mais. J'en ai pas là qui vient direct, mais arrêtez de dire oui tout le temps. Voilà. Le principe, de toute façon, c'est simple. Le principe, c'est il faut que tu sois un leader, il faut que tu aies des choses à faire, ok? Donc, tu peux pas dire oui tout le temps. De la même manière que tu peux pas dire oui aussi à tes potes, etc. Ouais, arrête de travailler, tu travailles trop. Ah, ok. Mais il y a des gens qui ont fait ça. Je connais des gens qui ont fait ça. Ils commençaient un business, ils commençaient à lire des livres. Ils disent, ouais, mais arrête de lire, j'aime pas. Ah, d'accord, ok. Arrête, tu comprends pas pourquoi elle va avoir un autre gars derrière. Ça, alors, c'est contre-intuitif. Et c'est pour ça qu'il y a le truc qui s'appelle la rage, la red pill rage. Parce que quand tu découvres de comment la femme, elle fonctionne, t'es vénère, en fait. C'est un peu con. En tout cas, ça peut emmener à ça. Ça peut t'énerver. Tu te dis, mais en fait, j'ai tout fait les choses bien, mais en fait, elle se moque de moi, en fait. Elle s'est toujours moquée de moi. Ouais, parce que la femme, en fait, faut pas écouter ce qu'elle dit. Elle va te donner des réponses politiquement correctes. Donc oui, bien sûr que faut pas lui dire oui tout le temps. Et oui, quand tu vas lui dire non, elle va dire, ah, lui, c'est un homme. Lui. Quatrième signe que tu es un bêta, c'est que tu follow tous les modèles sur IG, sur Instagram. Tous les modèles, tu les follow, tu commentes, tu mets des likes. Ah, tu es trop belle, ma chérie. Ah, non, ça, c'est les meufs qui parlent comme ça. Ah, tu es trop belle. T'as trop raison dans ce que tu dis. Je me sens super motivé grâce à ta citation là. Ouais, franchement, ça déchire. Non. Tu envoies des messages, des commentaires, alors que tu sais très bien qu'elle va jamais te calculer. Tu sais très bien qu'elle va jamais te calculer. Pourquoi tu fais ça? Tu lui donnes juste de la validation, de l'attention. C'est ce qu'elle recherche. Okay? Sache que nous, l'atteinte du but, c'est de la mettre dans le lit. Okay? Une femme, elle a juste besoin de voir dans tes yeux que genre que tu kiffes, d'avoir l'attention et de la validation, voilà, pour faire simple. Et ça lui suffit en fait. Elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a des meufs qui peuvent aller en date sans pas du tout dans l'intention de coucher avec toi, par exemple. Alors qu'un gars, par exemple, il passe toujours avec un objectif clair, tu vois. Mais la femme, elle est complètement différente. Ok, bon, ça, c'était cadeau au passage. Mais si tu fais ça, c'est que t'es un bêta, mec. Tu peux pas commenter des photos d'une meuf. Non, travaille sur toi. Ok, travaille sur toi. Sois un leader.
Ok, augmente ta position sur le marché du célibat. Si tu as un 5, bah débrouille-toi pour faire 6, 7, 8, 9, 10. Ok, j'en ai parlé sur mes autres vidéos, comment faire pour augmenter sur le marché du célibat. Mais si jamais tu as un 5 et tu envoies des messages à des meufs qui sont des 9, des 10, sois vraiment sérieux, tu vois. Pourquoi tu fais ça, tu vois. Donc, pas se faire carotte, les gars. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà. Donc, après, c'est OK si jamais tu as un des signes. Tu as juste à changer, hein, tout simplement. Surtout qu'il faut que tu changes, en fait. Tu n'as pas le choix parce que ça ne fonctionne pas. La technique, tous les hommes, OK, on le sait, nous, les gars. Donc, ça, je le dis pour les femmes qui regardent ces vidéos. Tous les hommes, le seul objectif, c'est le sexe, OK. Chaque personne utilise sa technique. Il y en a qui font la technique de bêta. Il y en a qui font qui se font friendzoner. Il y en a, tout le monde utilise sa stratégie, mais la vraie stratégie, c'est d'être un alpha. Donc les gars, ça ne fonctionne pas, ça. L'état bêta, ça ne fonctionne pas, même si tout le monde vous dit le contraire. Ne te fais pas carotte. Des fois, j'ai vu des commentaires, bon, c'est quand même rare, mais j'ai vu des commentaires sur mes vidéos quand je parle de relations de femmes comme ça. Je vois les gars, ils sont perdus. Et les Américains, n'en parlons plus, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais t'as pas aimé. De toute façon, t'as le droit de pas aimer, hein. Ben, fais comme tu veux. On va voir si jamais. Fais comme tu as l'habitude de faire et on verra si jamais t'as les objectifs que tu veux atteindre. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Tu peux avoir accès à ma formation phare, OK, Pirate Marketing, pour pouvoir faire au moins plus de 1000 euros par semaine. Et tu peux y accéder sans sortir 1 euro de ta poche. Pourquoi? Parce que c'est 100% financé par le CPF. Donc, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te former. Donc, en fait, tu cotises, en fait. OK, si à partir du moment où tu es français et que tu n'es pas étudiant, OK, tu cotises. OK, ne cherche pas que tu es entrepreneur, intérim, chômage, que tu as déjà travaillé avant, mais tu ne travailles plus. À partir du moment où tu es en France, mec, tu cotises pour ça. OK. Donc du coup, tu peux y accéder à ma formation Pirate Marketing. Et en plus, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans. Donc tu peux accéder à ma formation sans sortir 1 euro. Okay, donc du coup, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec Céline. Okay, Céline, au téléphone, elle va vérifier. Elle va faire le dossier avec toi, en fait, tout simplement. Toi, tu n'auras rien à faire. Elle va faire le dossier pour toi. Et après, à la fin de l'appel, elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Donc, en gros, tu n'auras rien à faire et tu auras accès à ma formation la plus puissante que j'ai pour pouvoir faire plus de 1000 euros par semaine. Donc, les gars, à un moment donné, je ne sais pas quoi vous dire. Il y en a peut-être encore qui hésitent. Ils disent « Ouais, mais quand même, c'est gratuit, tout est gratuit. Est-ce que je le fais ?» C'est incroyable. Okay. Donc, alors, clique sur le lien qui est dans les commentaires. Et puis, sinon, après, ne clique pas aussi. Hein. C'est cool aussi. Moi, ça ne changera rien pour moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore. Moi, je vais aller à la salle tranquillement. Aujourd'hui, c'est le jour des cuisses. On va aller tôt parce que les gens, ils arrivent. Quand je vais plus tard, les gens, après, ils prennent les machines et je suis obligé d'attendre. J'aime pas attendre. Tu connais.